Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du cours sur la modulation. Donc comme vous l'avez reçu, ce qu'il faut savoir sur la modulation, c'est quoi? C'est que la modulation consiste à prendre un signal qui a une basse fréquence et à multiplier ce signal avec un signal qui a une haute fréquence. Le fait de multiplier ces deux donne un résultat final qu'on appelle le signal modulé ou la tension modulée. Alors la multiplication des deux, pourquoi on le fait? Ou bien pourquoi on module deux signaux? Le fait de moduler ces deux signaux permet d'obtenir une portée plus importante, permet au signal électromagnétique ou à l'onde électromagnétique de se déplacer sur une distance plus importante et obtenir moins de pertes ou moins d'atténuation sur la distance. Donc voici une des raisons pour lesquelles on fait la multiplication de deux signaux ou bien la modulation de deux signaux. Alors, la fréquence qui est le signal qui a la fréquence la plus grande, on l'appelle la porteuse. Le signal qui a la fréquence la plus petite, on l'appelle la modulante. Alors, donc, à ce propos, on avait trois exercices avec la série d'exercices. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être faire une partie de l'exercice 2. Parce que bon, l'exercice 1 se fait très facilement. L'exercice 2, bon, si vous comprenez, bon, c'est un exercice très important et très intéressant à connaître, à savoir faire. Alors, comme vous le voyez à ce niveau-là, vous avez à ce niveau-là une courbe. Tac. Cette courbe-là présente une fréquence qui est plus grande que les sinusoïdes qui sont à l'intérieur. Les sinusoïdes qui sont à l'intérieur sont des fréquences plus petites. Et donc, les sinusoïdes qui sont à l'intérieur correspondent à la fréquence de la porteuse. Et la fréquence de ce signal-là, qui est le signal extérieur, c'est la fréquence de la modulante. Dans un premier temps, graphiquement, ce qu'on peut trouver, c'est quoi? On peut trouver graphiquement TM. TM, c'est la période de la modulante et TP, c'est la période de la porteuse. Alors graphiquement, la modulante a une période qui vaut, graphiquement on le voit, hein, donc à la question 2.1, on voit que la modulante, donc T indice On voit que la modulante T indice M graphiquement a une valeur de, excusez-moi, 2,25 millisecondes. Bon, ça c'est le graphique qui nous le dit, hein. On voit également que, bon, on peut peut-être convertir cette valeur-là, hein, en 0,00225. Seconde. Alors, graphiquement aussi, on peut se rendre compte que le signal qu'on appelle la porteuse, ce signal qu'on appelle la porteuse a une période qui vaut, bon, elle vaut 2,25 qu'on va diviser par une certaine valeur. Et cette certaine valeur, comment on va faire pour l'obtenir? On va peut-être revenir au graphique. Tac, taille. Oh, c'est parti. Alors, qu'on divise par, on va revenir à notre exercice. Donc, on va obtenir en fait TP. TP qu'on appelle la période de la porteuse. La porteuse, c'est le signal qui se trouve à l'intérieur. C'est l'ensemble des zigzags ou l'ensemble des petits sinusoïdes qui sont à l'intérieur. Comment on fait pour trouver sa période? C'est très simple. On cherche la distance entre. On cherche le nombre de secondes qu'il y a entre ce point et ce point. Entre ces deux points, on a la période. Donc la période, on la trouve soit entre deux maximums, soit entre deux minimums. Après, pour être plus précis, ce qu'on fait, c'est simple. On part de ce point, tac,
à ce point. Donc de là jusqu'ici, combien de sinusoïdes on a? On a 1, 2, enfin combien de maximum? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on a 13 sinusoïdes, donc on va diviser de 25 qui correspond au temps de ces 13 petits sinusoïdes qu'on va diviser par le nombre de sinusoïdes ou bien par le nombre de maximum. Le nombre de maximum, on en a 13. On prend la calculatrice et hop, donc 2,25 millisecondes qu'on divise par 13. Bon, après, c'est peut-être pas tout à fait 13, hein. C'est peut-être 12,75, mais si on fait une approximation, on trouve 13. Alors, au final, on trouve 0,1753 alors voilà 0,17 017 millisecondes. Si on fait la conversion de cette valeur, on trouve 0,00. Secondes. Voilà. Voici le résultat qu'on trouve pour les deux périodes, que sont les périodes du signal modulant et période de la porteuse. Alors, une fois qu'on a fini avec ça, on s'en va faire la réponse à la question petit 2. Alors, maintenant, à la question petit 2, on nous demande de trouver la valeur de la fréquence du signal qu'on appelle petit f, enfin la fréquence petit f, qui est la fréquence de la modulante. On rappelle que la fréquence est égale à la période qu'on divise par le période qu'on divise enfin 1 divisé par la période, pardon. Voilà. Et ça, on divise par donc l'inverse de la période est égal à égal à la fréquence. Si on fait le calcul, on trouve. Alors, les calculs, on les fait ici. 1 divisé par 0,00225225 j'ai peut-être mis un 0 de trop. Alors, on va trouver 444. 444 est la fréquence en Hertz de la modulante. Maintenant, la grande fréquence qui est la fréquence de la porteuse, on va faire de même. 1, CTRL C, CTRL V, et ça, on va mettre ça ici, ça nous permettra d'aller plus vite. Donc, la fréquence, on va la trouver avec 1 divisé par la fréquence, 1 divisé par la période de la porteuse, elle est là, tac. Voilà, très bien. Et on fait nos calculs. 1 divisé par 0,00173. Donc, 1 qu'on divise par 0,00173. 2, 3, je ne me suis pas trompé sur le nombre de 0. Donc, j'obtiens 5780. Donc, 5780, 5780. On se rend compte que la fréquence de la porteuse est toujours plus grande que la fréquence de la modulante, ce qui est logique parce que la porteuse est censée avoir une fréquence plus importante. Voilà ce qu'on trouve. Et on a pu calculer les fréquences. Bon, après le reste de l'exercice, c'est les questions de cours. Les questions de cours, vous allez vous servir du cours pour les faire. Comme voilà, comme d'habitude, en déduire la valeur de M, bon, tout ça c'est des questions de cours, tout ça c'est des questions de cours, vous les avez dans le cours, la réponse à toutes ces questions, sauf peut-être la réponse à la dernière question de 4, la question de 4-3. À la question de 4-3, on nous demande de faire l'analyse en fréquence si on faisait le. Comment on appelle ça encore? Si on faisait le.
les intervalles de fréquence ou la bande passante. La bande passante qui va de F1 jusqu'à F3 avec un F2 au milieu. À quoi correspond F1? F1, pour une bande passante d'une modulation, la bande passante va de grand F moins petit f. C'est quoi grand F? Le grand F, c'est. Je vais peut-être copier ça. Le grand F, c'est la fréquence de la modulante, de la porteuse, pardon. On l'a vu tout à l'heure. Je vais copier ça ici. Et on va peut-être essayer de faire tac, 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 tac. 2,4, 3. Voilà. F1 est égal à quoi? La première fréquence d'une bande passante, c'est égal à quoi? C'est égal à grand F moins petit f. Grand F moins petit f, bon, ça fait 5780 moins 444. Voilà. C'est quoi la valeur de F2? La valeur de F2, c'est très simple. La valeur de F2 est égale à... La valeur de F2, c'est 5780 Hz. Voici la bande passante d'une modulation. Et à quoi correspond F3? F3 est égal à tout simplement F3, c'est égal à grand F, la fréquence de la porteuse, plus la fréquence de la modulante. La somme des deux est égale à 5800, 5780 plus 444. Voilà. Après, on fait le calcul, on trouve la valeur de F1, la valeur de F3. Voilà, donc en faisant le calcul, on doit trouver normalement 6. Plus 2, ça fait 2 et 4 ici. Donc on trouve 6224 Hz pour F1. Et à ce niveau-là, on trouve. Alors, je me suis trompé, moi. Je me suis trompé parce que j'ai cru faire une addition. Alors que l'addition se trouve ici. Tac, 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 tac. Donc la réponse à cette question, c'est 6224. La réponse à F1. F1, 6. Donc 6, 8 moins 5, ça fait 3, ça fait 7 moins 4, ça fait 3, ça fait 5000, 5336. Voici ce qu'on trouve. Voilà. Voici la bande passante. La bande passante va de F1 qui vaut 5336 jusqu'à 6200. 24 Hz. Bon. Voici ce qu'on a. Bon, maintenant, une fois que j'ai fait rapidement les grandes lignes par rapport à ce cours et par rapport à l'exercice 2, on s'en va maintenant essayer de parler un petit peu de l'exercice 3 qui traite plutôt la modulation d'un point de vue plutôt numérique, où on va voir en fait le débit, comment on fait pour calculer des débits binaires, comment on fait pour calculer des choses comme ça, par exemple. Alors. On nous donne dans cet exercice 3, première partie, on parle de la transmission vidéo. La transmission vidéo est assurée par quoi? Elle est assurée par l'aide d'un émetteur HF Link 1150 SDHT, qui propose différentes modulations. Alors, une hypothèse par rapport à cet exercice, c'est le début, c'est que le fait que le débit de symbole est constant. Ok, bon, c'est une hypothèse qui nous simplifie pas mal les choses, mais très intéressante aussi. On nous dit, relevez dans l'ordre les trois noms des modulations employées par l'émetteur HF. Elle est notée dans le tableau des modulations, document DR physique. Alors, dans le document DR. Alors, l'émetteur, il est là. Donc, on s'en va au niveau de l'annexe. Au niveau de l'annexe, l'émetteur, on nous dit Link 1500 SD. Au niveau bande passante, bon, largeur de bande, ok, on a ce qu'il faut. Au niveau de la modulation, on a tac ça. Ok. On a cette modulation, celle-ci et celle-ci. Donc on a ces quatre modulations. Et on doit les reporter dans
le document DR physique. Donc, dans ce document. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie ça. Tac. Et puis, je vais peut-être coller ça ici. Alors, pour que l'exercice puisse se faire, bon, on va peut-être réduire la taille de ce tableau. Hein. Sinon, on n'aura pas assez d'espace. Tac, tac, tac. Voilà. C'est déjà pas mal. Allez, maintenant, on va commencer l'exercice 3. Exercice 3. Voilà, dans cet exercice 3, à la question 1.1, on nous demande de remplir ce tableau-là avec les modulations correspondantes. Donc, les modulations correspondantes, c'est 4 PSK. Ok, on est d'accord. L'autre modulation, c'est la modulation numéro 2, c'est le 16 QAM. Q qui veut dire quadratique, A qui veut dire amplitude, M qui veut dire modulation. Phase, scales, key. Alors, tac. Et l'autre modulation, c'est la modulation 64 QAM, quadratique, amplitude, modulation. Alors, on nous demande par la suite quelle va être. Donc, toujours au niveau de la première partie de l'exercice 3. On nous demande à la question 2 quel est le nombre de symboles. Préciser le nombre de symboles différents de chaque modulation utilisée et reporter ces nombres dans la ligne. OK. Alors, c'est quoi le nombre de symboles? Le nombre de symboles, c'est très simple. Le nombre de symboles qu'il y a dans la modulation 4 PSK, c'est égal à 4. Le nombre de symboles qu'il y a dans la modulation numéro 2, c'est 16. Le nombre de symboles qu'il y a dans la modulation 3, c'est 64. Bon, c'est simple. Comment je fais pour savoir tout ça? Bon, vous l'avez dans le cours, hein. Au niveau du cours, vous avez vu tous les types de modulation en numérique qui existent. Voilà. Ou bien aussi le chiffre qui se trouve devant la modulation aussi. Hein. Ce chiffre-là correspond au nombre de symboles possibles. Alors le nombre de symboles, en fait, correspond à quoi? C'est le nombre d'informations possibles d'être transmises par une modulation dans une constellation. Ici, je peux transporter 4 informations différentes. Ici, je peux transporter 16 informations différentes. Ici, je peux transporter 64 informations différentes. Voilà, c'est ça un peu qu'on a. Après, plus on a le nombre de symboles, plus la qualité de la modulation, enfin, plus la qualité elle est meilleure, parce que le nombre, ça permet d'obtenir plus de contraste. Le contraste est obtenu grâce au nombre de symboles. Plus on a des symboles, plus on a la possibilité de faire varier le nombre d'informations possibles d'être transmises. Maintenant, on s'en va maintenant au niveau de la question petit 3. On nous demande en fait de noter les lettres A, B, C, D qui correspondent à chaque constellation. Pour chaque constellation, à quel type de lettres ça correspond? On nous donne ce diagramme, hein, ce diagramme de constellation utilisé par les émetteurs de Link. Ça peut transporter soit avec cette constellation, soit avec celle-ci, soit avec celle-ci, avec celle-ci, ou avec celle-ci. Bon. Laquelle? Le 4 PSK correspond. Le 4 PSK correspond au B. Tac. Plutôt là. Alors, laquelle de ces constellations, le 16 QAM correspond? Le 16 QAM correspond au E. Bon, vous l'avez vu dans le cours, ça. Hein. Donc, ça, vous l'avez dans le cours. Et le 64 QAM correspond au F. Bon, maintenant, on nous demande au niveau de la partie. Tac, 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 allez. Allez, 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 allez. Ça va pas vite. Voilà, c'est bon. Oula. Qu'est-ce que c'est ça?
Maintenant, pour la question petit 1-4, expliquez comment on calcule le nombre de bits transmis par symbole pour chaque, pour les trois modulations, le porter le nombre dans la ligne, nombre de symboles. Alors, comment on trouve le nombre de bits par symbole? C'est très simple, hein. Le nombre de bits par symbole, hein, pour le 4 PSK, c'est 2. Alors, comment on fait pour trouver 2? C'est très simple. 4, qui est le nombre de symboles, est égal à 2 à la puissance. Voilà, 2 à la puissance 2, ça fait 4. Voilà. 16 est égal à 2 à la puissance 2 à la puissance 4, tout simplement. Et 64 pour le 64 QAM est égal à 2 à la puissance 6. Donc ce 6 que je vais mettre ici, je l'obtiens avec 2 à la puissance 6 qui vaut 64. Ce 4 que je vais mettre ici, je l'obtiens avec 2 à la puissance 4. Donc le nombre de bits par symbole est égal à 4 pour le 16, 6 pour le 64 QAM et 2 pour le 4 PSK. Bon, voilà. C'était plutôt une partie assez simple, mais si vous l'avez jamais fait, bon, c'est pas si évident que ça, hein. On calcule le nombre de bits, reporter le nombre de symboles, en déduire le débit binaire maximum qui correspond à une image de qualité optimale. Donc, pour obtenir une image de qualité maximale, le mieux c'est d'utiliser en débit maximum. En débit maximum, vous l'obtenez avec en débit maximum, enfin et maximum, avec un nombre de symboles maximum. Ou bien avec un nombre de bits par symbole maximum. Donc vous voyez bien que le nombre de symboles, 64, 16 et 4, est proportionnel au nombre de bits par symbole. Et le nombre de bits par symbole est directement proportionnel au débit de la transmission. Donc voilà, il est important de bien choisir sa constellation ou bien sa modulation pour obtenir une image de qualité. Voilà, donc oui. Le 64 QAM, c'est le 64 QAM qui permet d'obtenir, pour répondre à la question, non, c'est même pas en 2, c'est la question en 5. Bon, je vais peut-être continuer. Après, je viendrai modifier. Donc, permet d'obtenir. Permet d'obtenir un débit maximal et une image de qualité. Donc l'image de qualité est obtenue plus facilement avec la 64 QAM. Donc c'est pas en 2, c'est plutôt la réponse à la question en 5. Alors maintenant pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va commencer avec le. Avec. On dit en fait que au début on était dans une modulation de 64 QAM. Donc 64 QAM qui est le débit maximum. On nous demande de calculer RD, le rapport RD 2.1.1, qui correspond à un débit binaire de. Enfin, qui correspond au rapport du débit 64 divisé par le débit de 16 QAM. Bon, on vous trouvez 2.1.1. Enfin, on vous trouvez débit. Débit de 64. Enfin, pardon. 64 QAM divisé par le débit
divisé par le débit de. Divisé par le débit de 16 QAM. Alors, tac, je mets la barre de la division ici. Voilà, très bien. Alors, ça, c'est pas. Tac, 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 c'est pas D. C'est plutôt RD. Donc, R. D ici. Donc RD est égal à ça. Alors, c'est égal à combien? C'est égal à 6 qu'on divise par 4. Alors, pourquoi je peux faire c'est égal au nombre de bits par symbole divisé par nombre de bits par symbole du 64 divisé par le nombre de bits par symbole du 4? Parce que au départ, dans l'exercice, il était marqué que donc l'hypothèse de départ, notre hypothèse de travail dans cet exercice, c'est le fait que le débit de symbole est constant. Donc le débit de symbole est constant. Ce qui va changer quand on va passer la modulation de 64 à 16 QAM, c'est seulement le nombre de symboles. Enfin, le nombre de bits par symbole, c'est ça qui va changer. Mais le débit de symbole est constant. Donc c'est ça qui nous simplifie toute la tâche. Qui fait qu'on peut utiliser cette formule du cours. On avait cette formule du cours, je pense à la dernière page du cours. On avait débit est égal à quoi? Est égal au nombre de bits par symbole divisé par le nombre de symboles par seconde. Et donc c'est ça qui est constant. Pour le D64, si on passe du D64, enfin, si on passe de 64 QAM à 16 QAM, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le nombre de bits par symbole. Le nombre de bits par symbole, on les connaît pour 64 QAM. Le nombre de bits par symbole pour 64 QAM, c'est 6. Le nombre de bits par symbole pour 16 QAM, c'est 4. Et donc, on a 6 divisé par 4. 6 divisé par 4, on obtient. Normalement, on aurait dû appliquer toute cette formule. Hein. On aurait dû appliquer cette formule pour le D64 QAM, pour obtenir le débit de 64 QAM. On aurait dû appliquer encore cette formule une deuxième fois pour le 16 QAM, obtenir le débit pour 16 QAM, mais seulement que ça ne change pas, quelle que soit la constellation d'après l'exercice. Et ça qui nous facilite un petit peu la tâche. 6 divisé par 4, on obtient 1,5. Donc dans la formule de débit, je n'utilise que le nombre de bits par symbole, 4 et 6. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est fait. Et donc. On nous demande par la suite de trouver la valeur de D'. La valeur de D' pour la trouver, c'est très simple. On va. Donc D', on va peut-être aller dans le tableau. Tac, 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 le tableau qui se trouve ici. Document DR2. Je copie ce tableau. Tac, 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 tac. Alors, je copie le tableau. Tac, ici. Je vais planter ça ici. CTRL V. Alors, on nous demande de trouver D'. D', comment on peut trouver sa valeur? C'est très simple. On sait que le débit pour 64 QAM divisé par le débit pour 16 QAM est égal à CTRL C, CTRL V, c'est égal à 1,5. Bon, le 6 divisé par 4 ne nous intéresse pas à ce niveau-là. C'est plutôt le 1,5 qui nous intéresse. Tac. Alors, 1,5. Et donc, cela fait quoi? Cela fait que le débit pour 16 QAM, qui correspond à D', CTRL-C, CTRL-V, ce débit, on trouve ça en faisant
égale D64. Contrôle C, contrôle V. Donc, je fais un produit en quoi de cette formule? Je fais un produit en quoi? J'obtiens divisé par 1,5. Et ça me permet d'obtenir est égal à. Tac, ça fait 32 qu'on multiplie par 1,5. 32, oh, pardon, pas multiplier, diviser plutôt. 32 mégabits divisé par 1,5. 32 divisé par 1,5. Alors, 32 divisé par 1,5. 30 divisé par 1,5. 32 divisé par 1,5. Ça fait 21,33 mégabits par seconde. 31,31. Alors 21,33 mégabits par seconde. Donc 31,3 mégabits par seconde. Voilà. Voilà ce qu'on trouve avec le débit des primes. Donc le débit pour 16 QAM, on l'a si on connaît le débit pour 64 QAM. Alors maintenant, on va essayer de voir quelle est la suite de l'exercice. Donc toujours au niveau de la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on nous demande de trouver par la suite DT2, tac 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 tac, et fournit, elle nous indique les débits utiles normalisés des données. Relever le débit binaire normalisé correspondant à la transmission étudiée et reporter sa valeur à la dernière ligne du tableau, tac tac tac, comparer le débit binaire et le débit binaire, le débit binaire calculé et le débit binaire normalisé. Alors, donc on dit, on a un tableau ici. Ce tableau-là permet d'obtenir les débits normalisés, si je ne me trompe. Ouais, tac, 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 code break, système. Voilà, ça c'est les débits normalisés. Dans les débits normalisés, on a pour 16 QAM, donc 16 QAM, code rate de 7 huitièmes, on a avec 1/32 d'intervalle de garde, 21,11. Bon, les deux sont très proches hein, parce qu'on trouve 21,33, donc c'est pas si éloigné que ça. 21,1 mégabits par seconde. On nous a dit de comparer aussi. Donc, on doit comparer quoi? On doit comparer. Comparer le débit calculé et le débit normalisé. Donc, on doit comparer par la suite ce débit à celui-ci. Donc, on se rend compte tout simplement que le débit normalisé, débit normalisé, et celui calculé sont sensiblement égaux. Égaux plutôt. Débit calculé sont sensiblement égaux. Voilà ce qu'on trouve. Et puis voilà. Alors donc, je vais peut-être arrêter la vidéo à ce niveau-là. Donc, le reste de l'exercice et des autres exercices, j'attends que vous puissiez les faire et puis que vous puissiez me les rendre. Et puis voilà. Et donc, voilà, bonne continuation pour pour les exercices. Donc, j'arrête la vidéo à ce niveau-là. À bientôt. Ciao.